Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer la dernière référence Playmobil qui est arrivée à la maison. Donc il s'agit du camping-car van Volkswagen iconique de l'époque des hippies que tout le monde connaît, hein, qui est donc sorti en janvier 2021. Alors en fait, bon, vous le savez sûrement déjà, Playmobil a un partenariat avec la marque Porsche. Tous leurs véhicules, enfin il y a beaucoup de leurs véhicules qui sont des Porsche en fait, et Porsche est une marque qui appartient au même groupe que celui qui possède aussi la marque Volkswagen. Donc c'est sûrement pour ça qu'ils ont réussi à avoir ce partenariat. Et voilà, donc ils commencent à sortir leur première référence, donc ils ont sorti celui-là, le combi Volkswagen. Ils ont sorti aussi celui-ci, donc c'est la fameuse coccinelle, quoi. Donc deux références que tout le monde adore en fait, hein. C'est vrai que là-dessus, ils prennent pas de risques, et puis aussi en même temps, tout le monde est bien content, quoi. Voilà, donc ce qui est bien avec ce modèle, enfin moi ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà il y a, bon, les collectionneurs vont être ravis, hein, parce que ça va être, comme d'habitude avec les véhicules Playmobil, ça va être, je pense, de la très bonne qualité. Donc au niveau des collectionneurs, pas de problème, tout le monde va être content, et les enfants qui jouent avec vont être aussi ravis, parce que bah, c'est le modèle camping-car en fait. Donc il y a pas mal de choses à l'intérieur, vous voyez, il y a des rangements partout, il y a des rangements, voilà, il y a une couchette, on peut mettre une couchette, plein d'accessoires, enfin bon, vraiment c'est pas mal pour jouer, pour faire des histoires et tout, c'est vraiment super cool. Je vais vous montrer ça en détail, donc une banquette arrière qui se transforme en lit, nombreux espaces de rangement, coin salon, mini cuisine, équipé d'une valise et d'un sac d'accessoires, le toit est amovible, les portes latérales s'ouvrent, voilà. Donc voilà, donc je pense que c'est une super référence Playmobil. On va l'ouvrir, mes filles vont le monter, et puis bah, je vais vous faire une deuxième partie de vidéo après pour vous montrer tout ça. Allez, à tout de suite. Voilà l'intérieur de la boîte. Alors on a le combi, hein, qui est avec toute la carrosserie là, et puis l'essentiel de tout ce qui est dedans qui est monté. Ensuite on a un petit sac avec pas mal d'accessoires. Et puis bah, le toit là, en fait, l'espèce de truc sur le toit. On a ensuite, bah là, c'est tout ce qui est roue, hein, avec les pneus en caoutchouc à la Playmobil. Voilà, là, on a tout ce qui est, je sais pas ce que c'est des trucs à l'intérieur pour les meubles du combi. Le toit, les personnages, donc les personnages très typés années 70. Et là, on a bah, tout ce qui est notice et puis les autocollants et voilà, quoi. Ouais, c'est le bazar. Voilà, allez, on va monter ça. On a monté le van, donc vous voyez, il y a les personnages qui sont ici. Donc lui, il a une barbe, un appareil photo, une carte. Elle a un joli petit haut à motif et pareil, elle a des fleurs sur son jean. Alors, les bagages, on peut les mettre au-dessus. Là, vous avez une espèce de truc en caoutchouc comme ça qui permet de les faire tenir. Donc on a la valise, on a un sac. Les portes s'ouvrent, évidemment. À l'intérieur des portes, vous avez là une espèce de truc, un range magazine ou je sais pas quoi. Là, vous avez une petite tablette comme dans les avions là, qui se baisse avec un miroir de l'autre côté. Ici, vous avez le petit lavabo, le coin cuisine avec une tablette pareil qui se rabaisse. Là, voilà. Donc là, vous avez la petite tablette. Ensuite, à l'intérieur, vous avez un petit truc avec des rangements comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le toit. Ça sera plus simple pour pouvoir voir tout le bazar à l'intérieur. Donc le toit, vous pouvez soit le retirer en entier, soit retirer juste le petit toit ouvrant. Là. Bon, là, on va le retirer en entrée, c'est pour jouer. Hop, donc à l'intérieur, vous avez, voilà, on a des coussins, il y a une banquette, il y a une espèce de table là qui se relève un peu comme dans les vrais combis, quoi, donc pour gagner de la place. Donc tout est hyper bien aménagé. Alors attendez, il faut que je mette bien ça, voilà. Et là, hop, je relève la table. Donc vous voyez, il y a une petite tablette pour manger, c'est super. Bah, le volant, il a la petite poignée, hein, comme sur les vrais aussi. Attendez, alors ça, je vais rebaisser, je vais vous montrer ce que ça donne quand on le met, voilà, en position lit. Donc là, on a une position lit. Ensuite, ici, on peut ouvrir la petite trappe pour voir le moteur. Voilà, il y a le moteur qui est à l'intérieur. Et voilà, quoi. Je crois qu'on a fait le tour. Non, je vais vous montrer ce qu'il y a aussi comme accessoire. Donc là, voilà, mes filles ont tout mis dans la valise. Mais bon, vous avez des brosses à dents, du dentifrice, des boîtes de conserve, une petite boîte à pique-nique là derrière. Et puis des tasses, une brosse à cheveux. Et voilà, quoi, une brique de lait, des trucs comme ça. Voilà, donc vous voyez, c'est assez complet. Il y a pas mal de choses à faire avec. C'est plutôt sympa. Bon, comme toujours, on a les roues avec des vrais pneus en caoutchouc. Là. Vous avez le logo Volkswagen sur l'enjoliveur. Et voilà, quoi, le modèle est vraiment plutôt réussi. Je serais curieux de voir la coccinelle pour voir ce que ça donne. Et j'espère qu'ils vont en faire d'autres avec cette gamme. Voilà, allez, à plus.